Tu vas être papa? Non, mais non. Écoute, je vais pas être papa, je vais être le géniteur, d'accord? Mais attends, si tu vas être papa, ça veut dire que je vais être tonton? Et que je vais avoir un neveu? Ou enfin une nièce? On s'en fout, on revient là! Non, mais arrête! Calme-toi! Mais quoi? Mais non, je serai le père biologique, d'accord? Ça, c'est sûr, mais c'est Élise et Sophia qui l'élèveront. Toutes les deux, sans moi. Mais il n'aura pas de père? Bah non, il aura deux mamans. Mais toi, ça va pas te faire bizarre, je veux dire, de voir un enfant grandir sans que ce soit le tien? Mais en même temps, c'est le tien. Mais je sais pas. Écoute, peut-être que je... Si, je... Bon, Élise, c'est ma meilleure amie, d'accord? Elle a toujours été là pour moi. Et ça me fait plaisir de lui faire ce cadeau, voilà. Ouais, mais bon, là, on parle pas d'un... un collier ou enfin, d'une montre. On parle d'un enfant, Bilal. On parle d'un être humain. Moi, je pourrais pas. Ben, ça tombe bien, c'est pas à toi qu'on l'a demandé. Et tu vois, je suis pas sûr que maman capte le truc. Hein. Ben, c'est bien pour ça qu'elle le saura pas. Hein. Attends, ça fait des années qu'elle rêve d'être grand-mère, tu vas pas la priver de ça, quand même. Attends, mais elle ne sera pas la grand-mère de cet enfant, je ne serai pas son père et tu seras pas son oncle. D'accord? Non, non, pas d'accord, non. Bon, je suis pas sûr que j'ai le choix. Et si jamais l'enfant te ressemble, t'as pensé à ça? Hein? Tu as pas pensé, hein? Ça va tilter, maman, elle est pas... Tu sais quoi, j'aurais même pas dû t'en parler.